Et c'est parti pour le petit essai du Arma Rider BLX XL. BLX XL. En 2S, tranquillou. Là, je suis à fond. Voilà. Non, ça c'est un grasshopper, tu vois. Il dit pas bonjour. Oui, il fait peur. C'est bien, il est anticipé. Ah, c'est déjà mieux. Hein. Toujours en 2S. Je suis où? Oh là là, mec. Là, tu t'amuses, tu vois. Oh, 3S, ça doit envoyer sec. Hein. Voilà, il ne peut pas s'en empêcher. Donc vous venez de gagner 50 cents de réduction sur le prix de l'occasion. Offert par la fripe, oui. À la fin, il va payer les frais de port. Genre. En plus, j'ai modifié l'aileron, regarde. J'ai mis une lame en Lexan, parce qu'il est clipsé là, en fait, tu vois. Et là, il a un truc flix, mais du coup, c'est rien qu'il soit clipsé s'il a un truc fixe, ça casse. Et avec la petite lame là, du coup, si le gamin il se retourne, ben, il casse pas. Ça caillasse bien ça. Ah ouais. Ah, tu t'amuses bien avec ça. Non. Voilà, là, les gamins, vaut mieux lui filer au NIMH au début, je crois. Non, non, c'est zéro fonction réglable dessus. C'est le bas de gamme de la radio. Le furet! De toute façon, les armes, hein, fripouille. Je passe entre les deux gros là, vise au milieu. Il a un problème de perspective au loin. Après, on va se mettre là-bas. On va se mettre là-bas avec les rampes après, on va être bien. David, il a dit bien aussi, hein. Midi 30, et il a craqué son slip, puis c'est bon. Il en peut plus. Ah merde, il me l'a pas dit, j'en ai aussi pour lui. Sévan, il y a aussi normalement. Bon, lui, tant qu'il se réveille, il sera à 14h30. Et ben, Nico, il vient juste entre midi et 2, en fait, il bosse à Ilzac. Il est mis canot poids lourd. C'est qui? Je sais pas encore, je verrai quand il sera là. Hein? Je sais pas. Bah, chez DAF, il y avait papy qui bossait. Il a fait toute sa vie là-bas. C'est lui qui se servait du grand tour qu'ils ont dans l'atelier, qui savent même plus comment il marche, les mecs. Parce que lui, à l'époque, en fait, les mecs, ils démontaient le train arrière, lui recevait le train arrière complet, ou avant, ou le pont, tu vois. Et c'est lui qui refaisait les ponts. Les pignons et tout. Ah ouais, un truc de malade, hein. Hey, attention! De l'autre sens, je sais pas trop, parce que comme j'ai pas de roue motrice avant, je sais pas s'il va... Yeah! Hey, ça se maîtrise. En 3S... J'ai des 3S avec. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est. Ouais, ils ont fait un. Comme le HPI, ça va être. C'est maniable, deux roues motrices. Ah, franchement, tu vois, même en ligne droite, tu t'emmerdes pas. Enfin, pour débuter, c'est le pied, ça. Bon, après, réglage suspension manie. Attention. Hein. En plus, ils arrivent tous derrière. Ah, c'est de la terre, c'est bon. Hop. Yeah.
Ouais, mais tu vois, ils sont. Ça, j'aime bien avec les chiens, parce que souvent, tu vois, ils courent après, et quand tu fais demi-tour, par contre, regarde. Regarde. Moi, j'avais une petite vieille qui est venue avec un boxer comme ça. J'ai passé tout le pack, 15 minutes à fond la caisse, le chien était mort après. Mais c'était vachement sympa. Je fais juste gaffe aux pattes parce que. Faut pas aller rentrer dans les papattes. Là, c'est bien aussi. Tu devrais une fois emmener ton chien. Non, il est trop heureux. Maggie, elle s'en fout en fait. Ouais. Ouf. Et il encaisse le petit bestiau, hein. J'ai bien fait ma petite plaque en l'exant, hein. Parce que là, le béquet, il serait déjà mort. Ah. Ah, c'est où que j'ai décollé avant? J'ai fait un beau saut avant là. Non, là. Non, c'était pas là, je sais pas. À un moment, j'ai fait un beau saut là. Putain, les doigts dans le nez, t'as vu ça? Ah, deux roues motrices, c'est ça. C'est dommage qu'ils ne fassent pas de roues motrices en 1/8. En 1/8, ils font pas de roues motrices. Mais il a un super équilibre, hein. Parce que d'habitude, en deux roues motrices, des sauts comme ça, tu galères, hein. Ah, il encaisse, il encaisse. Tu vois qu'il y a des gens sympas. Attends, après il y a la vieille qui va arriver. Ah non, ça c'est à 16h. Tiens, amuse-toi. Bah non, moi je sors l'autre. Vas-y, vas-y, on fait rouler un débutant. Donc, voilà le petit Greg, 14 ans et demi, 1m85, 100 kg. Alors c'est rigolo les donuts? Tu aimes bien ça, hein, les donuts? Les enfants, ils aiment bien les donuts. Ils sont toujours à fond gâchette, à fond virage. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils sont habitués à jouer à la console, mine de rien, ils s'en sortent bien, tu vois. Je vais me mettre par là, il va m'en coller une tonne, moi. Ouais, Yoli! Ah, la peau, c'est un piège, hein. À tout à l'heure, on va mettre les remparts là avec les X-Max, hein. Ouais, bien. Joli! Un petit coup de regaz. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu remets tes gaz, à mon avis, prenez l'assiette haute. C'est vrai que c'est pas comme en 4x4, ça manque un peu, c'est assez délicat. Hein. Mais je pense qu'il a assez de patates pour remettre. Yeah! Avec, je vais mettre un brevet là-dessus, c'est le béquet auto-adaptatif en fait. Quand tu ralentis en l'air, il se met debout pour retasser le cul. Ah, celui-là était beau! Oui, on bon. Eh, n'empêche, tu fais des beaux trous, hein. Elle marche bien la plaque à tonton Ludo. Ah, il veut le faire, hein. Franchement, je suis surpris de ce petit machin. Là, il va se faire rouler dessus. Il y a David qui va arriver avec le poids lourd après parce qu'il a, il est tellement pressé, je suis sûr, il va même pas garer le camion au boulot, il va venir avec le camion. Le 4S, ça suffit dans le truc, hein. Bon, sinon, à la limite, on descendra encore un peu le pignon. Mais après, en autonomie, ça va aller en 6S. Ouais. Ah oui, donc c'est pour ça qu'en. Ouais. Oui, donc, ouais. Mais 12, par contre, en 6S, ça doit aller. Après, faut voir avec les petits trous, quoi. Là, ça fait une grosse différence quand tu changes tes roues. Hein. Mais bon, avec ces roues, tu peux rouler partout. Il est un peu raide là, non?
Ouais, si, moi je dis le toit, il est raide. Amortit pas grand chose. T'as mis la cage? Là, ça sert à rien de freiner en deux roues motrices. T'as le réflexe. T'as le réflexe. Tu freines, mais. Il va se faire manger en vol tout à l'heure. Nion. Mais je trouve que franchement, même tu vois là, ça glisse, il assure. Hein. Bon, le pilote, il est un peu téméraire des fois, mais. Ouais, c'est toujours satané en ce moment. Bon, ben moi je suis convaincu par ce petit machin, hein, franchement. Ça assure pas mal. Oh,